Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va bailler un peu. J'en profite pour faire un coucou à ma sis du côté des filages. Je te claque des bisous. Merci pour le soutien inconditionnel. You know who you are. Voilà. Donc, on va bailler un peu. On va parler un peu de ce qui se passe dans notre pays. On va parler un peu de Yodé Nsiro. On va parler un peu de Alassane Dramane Ouattara. Et nous allons aussi briefer sur Ibrahima. Voilà, Ouattara dit photocopie qui fout la haine, la zizanie de notre pays en ce moment, qui est vraiment, c'est vraiment dommage, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment pas ok, c'est pas juste. Les Ivoiriens, nous n'avons pas besoin de tout ça dans notre pays en ce moment et à cet instant T. Nous avons des artistes qui sont la voix des sans-voix. Nous avons des artistes qui sont supposés être des personnes qui doivent dénoncer, critiquer, voilà, un gouvernement. Nous avons des artistes aujourd'hui qui sont payés pour se taire. Nous avons des artistes aussi qui sont, comme on le dit, dans une conviction, voilà, comme Yodé et Siro, qui ont toujours été là pour critiquer n'importe quel gouvernement qui était mis en place dans le passé. Ils ont eu à critiquer. Pour moi, c'est vraiment dommage aujourd'hui que Yodé et Siro soient détenus quelque part, voilà, en garde vue. Parce qu'ils ont eu à tenir des propos. Et ces propos, nous le savons très bien dans notre pays. En ce moment, faites monter le mercure. Nous sommes à 1600 personnes. Partagez massivement. Faites monter le mercure. Nous sommes dans un pays de voyoucratie. Nous sommes dans un pays sous un régime dictatorial. Nous sommes dans un pays de mangercratie. C'est ça qui est la vérité. Yodé et Siro ont tenu des propos qui sont réels. Et ces propos sont ce que nous, les Ivoiriens lambda, nous vivons au quotidien. Nous avons eu le cas de, comme on le dit, le bac à verre, où il y a eu des microbes qui se sont ingérés, voilà, dans la rue, en train de, mater les gens, effrayer des gens à coups de machette. Nous avons eu la situation au niveau de Dabou, où on a eu des microbes et des miliciens qui sont venus, qui ont commencé à macheter les jeunes du village, qui ont commencé à semer la zizanie. Nous avons au niveau de Yamsokro, il y a eu plusieurs endroits, voilà, dans notre pays, où nous avons remarqué qu'il y avait des microbes, des miliciens qui étaient déployés depuis Abidjan, transférés dans ces villes et villages pour pouvoir aller empêcher ces jeunes qui criaient haut et fort non à ce troisième mandat anticonstitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons la vérité, voilà, qui est là. Et quand on sort, on veut hausser nos voix. Quand on sort, on veut exercer ce droit de cette liberté d'expression. On nous dit non, que tu n'as pas le droit. Non, tu as manqué de respect au président parce que tu as dit non, que le président, comme on le dit, il ne respecte pas les lois. Mais de vous à moi, est-ce que Alassane Dramane Ouattara respecte les lois? Si Alassane Dramane Ouattara respectait les lois de notre pays, je ne pense pas qu'il allait avoir la force ou le courage d'aller se présenter pour un troisième mandat. C'est ça qui est la vérité. Ils ne respectent pas de loi. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui incarcérer des artistes sous prétexte que ces artistes ont manqué de respect à Alassane Dramane Ouattara. Et en plus de cela, il y a Adou Richard. On dit non parce qu'ils ont dit que Adou Richard était, comme on le dit, procureur pour un seul parti. Mais est-ce que Adou Richard, de vous à moi, depuis que Adou Richard a commencé cette histoire de, comme on le dit, quand le leader générationnel Soro Gibafori Guillaume a eu son avion qui a été déroté, voilà, au niveau du Ghana et tout, ce premier mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Soro Gibafori Guillaume, est-ce que, de vous à moi, Adou Richard avait des preuves capables pour pouvoir incarcérer, pour pouvoir, pas incarcérer, mais pour pouvoir, comme on le dit, sortir et tenir ces gens de discours? C'est parce qu'il est à la guise de Alassane Dramane Ouattara. C'est parce que, quelque part, il est obligé de satisfaire son maître Alassane Dramane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous sommes là dans le pays. Même les membres, même les gens du RHDP, eux-mêmes, je vous dis, les coups de fil que moi, la guêpe, je reçois, là, c'est grave. Il y a même des partisans du RHDP qui sont dans le gouvernement. Je ne vais pas dire leur nom parce que ce sont des personnes avec qui je... Voilà, j'échange et tout. Qui me disent, non, mais franchement, le vieux, là, il exagère. Ah, mais pourquoi ça? Même les ministres, même qui sont de votre gouvernement, là, même des ministres
qui ne trouvent pas que l'acte et les actes que Alassane Dramane Ouattara est en train de poser, ce sont des actes qui sont, comme on le dit, normaux. Ils ne trouvent pas. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue Alice au pays des merveilles. C'est la jungle. C'est la voyoucratie. On fait ce qu'on veut. On ne peut pas dénoncer. On incarcère des fils dignes du pays. On a nos mamans qui sont incarcérées. On a nos soeurs incarcérées. On lance des mandats d'arrêt internationaux contre d'autres. Et voilà, on exige à d'autres personnes d'en faire d'eux des exilés politiques. Et il y a des militaires qui sont au niveau de la mama. Mais nous ne pouvons pas continuer dans cette, comme on le dit, dans cette marmaille. Nous ne pouvons pas continuer dans cette racaille. C'est ça qui est la vérité. Nous ne pouvons pas le faire. Yodé et Siro n'ont posé aucun acte. Et pour moi, c'est décevant de voir des soi-disant, je ne vais même pas dire le nom de la personne parce que je n'ai pas envie de faire la pub de la personne et tout, mais je vois des certaines personnes en train de dire que non, là qu'ils ont posé, quand ils font des vidéos, ils doivent aller voir un juriste. Mais depuis quand Alassane Dramane Ouattara a allé voir un juriste avant de poser ses actes? Depuis quand Alassane Dramane Ouattara a allé voir un juriste? Même les cyber-activistes RHDP, là, quand ils nous insultent, ils sortent, ils font des commentaires. Mais vous avez vu, moi, je suis quelqu'un, je ne réplique pas. Parce que je dis, je ne suis même pas au même niveau que. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces clashs. Ça, ce n'est pas mon genre. Je suis trop high class pour ça. Je ne rentre pas dans les clashs. Mais pour vous dire que ces personnes peuvent se mettre là à insulter, à dire ce qu'ils veulent. Voilà, ils ne sont pas inquiétés. C'est ça. Vous voyez des députés de la nation, des députés qui sont des représentants du peuple dans leur ville, dans leur village, qui peuvent se lever, prendre leur téléphone et commencer à insulter. Donnez-moi une seconde, je vais bloquer quelqu'un ici parce que ici, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. Voilà. Sur ma page, c'est moi qui suis la patronne. Voilà. Donc, comme je le dis, on ne peut pas voir des députés de la nation. Mais c'est honteux, des députés de la nation qui sont devenus des loupards, des anciennes, comment on appelle, housekeepers, comme on le dit ici, qui nettoient ici, même housekeeper, là même tu es bien payé. Mais des femmes qui sont en train de nettoyer des toilettes au niveau de Paris, aujourd'hui on a fait dès leur crayon là, ça rentre jusqu'en dans leur nuque là-bas, elles ont elles sont gonflées, elles pensent qu'elles sont arrivées, elles peuvent prendre leur téléphone, insulter. Voilà, d'autres femmes, et bien qui sait, disent ce qu'elles ont envie de dire, et puis ça ne va pas quelque part. Et en plus de cela, elles peuvent même partir en plein milieu d'une séance, voilà, au niveau de l'Assemblée, et aller chercher, mais à vouloir se battre. Mais vous pensez que la Côte d'Ivoire, mais attendez là, on ne va pas continuer dans cette lancée. Nous n'allons pas continuer dans ça. Aujourd'hui, c'est de la merde. Nous sommes dans un pays de merde. Nous avons des ministres narcotrafiquants. On ne peut pas parler. Quand tu parles, on dit oui, c'est plainte qui vient te déposer. Nous avons des frères, le frère de Alassane Dramane Ouattara, photocopie, ce sanguinaire de première classe, qui est là, qui décide ce qu'il veut, qui fait de ce qu'il veut. On ne peut pas parler. Quand tu vas parler, on dit non, je suis la sœur de Alassane. Non, je suis la nièce de Alassane. Non, je suis la cousine. Mais on n'en a rien à foutre. C'est ça qui est la vérité. Nous n'avons rien à foutre de cela. Le président, les Ivoiriens, les Africains, we have to open our mind and we have to be smart. Le président travaille pour nous. Ah, Africains. Le président est payé par nous, les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, là, nous sommes ses patrons. C'est nous qui disons à Alassane Dramane Ouattara ce qu'il doit faire. C'est nous qui disons à Alassane Dramane Ouattara comment nous voulons que les changements s'opèrent dans notre pays. Quelqu'un ne peut pas travailler pour nous. On paye la personne. Et puis en plus de cela, la personne nous tue. La personne nous fait en prison. Et puis on ne peut pas parler. Mais attendez là. Alassane Dramane Ouattara l'ex, moi je dis c'est l'ex parce que voilà, je ne le reconnais plus en tant que le président. C'est ça qui est la vérité. Je ne le reconnais plus. Il ne peut pas venir travailler pour nous et puis c'est lui qui fait sa loi. Ces députés qui travaillent pour qui? Pour nous les Ivoiriens.
qui les paie, ce sont nous les Ivoiriens qui les payons. C'est nous qui payons Alassane Ouattara. C'est nous qui payons Ahmed Bakayoko. C'est nous qui payons Bitogo. C'est nous qui payons Kandia. C'est l'argent du contribuable, l'argent des Ivoiriens. C'est nous qui les payons. Alassane Draman Ouattara est couché dans un hôpital au niveau de Paris. Voilà, c'est nous qui sommes en train de payer les soins de Alassane Draman Ouattara. Mais quand tu vas sortir, tu vas parler de ça, on dit non, tu aimes te gérer dans la vie des gens, des gens. Oui, tu parles de, comme on le dit, de Ouattara. Ouais, on ne doit pas parler des maladies. Mais on ne parle pas des maladies. Comment tu veux être président d'un pays, tu es malade. On n'a même pas encore, tu dis un coup KO. Ton un coup KO, là, toi-même, ça t'a KO. Tu te retrouves à l'hôpital. Mais tu es en pièce détachée. Il faut rester tranquille. Reste tranquille. Est-ce qu'on est obligé, obligé de forcément diriger un pays quand on n'a pas la force, la capacité physique de le faire? Ce n'est pas une obligation. Aujourd'hui, nous avons des jeunes intellectuels. Et c'est ça qui peut me faire mal. Nous avons des intellectuels, nous avons des jeunes qui ont eu des diplômes, qui sont intelligents, qui ont toutes les capacités et tout pour pouvoir gérer le pays. Mais quelqu'un qui est en pièce détachée, Minesan Tio, forcé ton un coup KO là. Tu n'as même pas, tu dis 5 ans quoi. Hein? Tu t'es autoproclamé le 31 octobre. Nous sommes en décembre. Octobre à novembre. Décembre. Ça fait même pas 5 semaines. Tu as déjà pris des bébés. Tu es KO. Donc c'est dans ça qu'on va continuer. Mais quand tu es la racaille, tu es vieux là, mais arrête-moi, faut pas emmerder les Ivoiriens. On ne va pas venir prendre un punais, voilà, percer et puis en train de conduire dans la vie comme ça. Tu es fatigué, Ouattara, tu es fatigué. Tu es malade, tu es fatigué. Il faut te reposer. Quand on ne peut plus courir là, quand on n'a plus de souffle, on arrête de courir. Tu es fatigué, tu es koyo, on ne peut plus rien faire pour toi. Il faut te reposer, ça fait quoi? Il faut te reposer. Ce n'est pas une obligation. La Côte d'Ivoire, là, tu es venu trouver la Côte d'Ivoire, tu vas partir pour laisser cette même Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët Boigny, là, depuis que ce monsieur est mort, là, moi, je me suis dit, ah non, mais c'est fini, hein. Tout le monde peut mourir. Tout le monde peut mourir. Tu es venu, là, tu es un ancien spermatozoïde, tu es un futur cadavre, monsieur Pierre Détaché. Tu es un ancien spermatozoïde et tu es un futur cadavre. Comme tout autre. Mais tu es fatigué. Tu dis un coup KO, toi-même on t'a KO, cacraque pas bouche, tu t'es retrouvé quelque part à Paris. On veut parler de ça. On dit pourquoi on parle de ça. Oui, le président Bédier. Oui, le président Bédier aussi, il est fatigué. Il est fatigué. Mais moi, je le préfère à Ouattara. Parce que Alassane Draman Ouattara, c'est un sanguinaire. C'est un dictateur. Président Bédier n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un. C'est la même marmaille de Alassane Draman Ouattara. Depuis les années combien là? C'est lui qui a déstabilisé le pouvoir de Bédier. On n'a pas donné la chance à Bédier. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous n'avons pas donné la chance à Bédier. On n'a pas donné la chance aussi au président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Ce marmailleur de première classe est venu. Et depuis ça, on n'a plus la paix dans notre pays. Il est fatigué, il veut forcément se maintenir. Mais Yodé et Siro là, ils n'ont pas menti. Partagez, faites monter le mercure. Yodé et Siro n'ont pas menti. Donnez-moi une seconde. Aujourd'hui là, j'ai pas le temps de ces gens qui vont venir insulter là. Yodé et Siro, ils n'ont pas menti. Regardez comment le pays est, de vous à moi. On n'a pas besoin de, comment on appelle, on n'a pas besoin de parler. C'est la triste réalité qui est dans notre pays. C'est une triste réalité. Est-ce que nous n'avons pas des miliciens dans notre pays? Oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous n'avons pas des microbes dans notre pays? Oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la drogue n'est pas vendue dans nos universités? Même dans les écoles primaires, dans les collèges, nous avons des fumoirs. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons aujourd'hui des personnes en train de détruire notre jeunesse, en train de détruire la vie.
de cette génération. On voit ça, on parle, on dit non, tu as parlé. Abou Richa n'est pas content, tu as parlé. Voilà, tu te retrouves en prison. Même la liberté d'expression, les artistes là, qui ont cette couverture là, on ne peut plus dans le pays. On ne peut plus dans le pays. Mais nous n'allons pas continuer dans cette lancée. Le pays là, ça n'appartient pas à Alassane Ouattara. Le pays là, c'est pour tous les Ivoiriens. C'est pour tous les Ivoiriens. Mais nous sommes fatigués. Arrivé un moment, il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter. Quand les gens font les critiques, là, c'est pour que vous puissiez vous améliorer. Déjà, mais vous n'êtes même pas supposé être là, donc c'est déjà un fait. Voilà. Vous n'êtes même pas supposé être là. Alassane Dramane Ouattara, vouloir se maintenir à tout prix, à ce pouvoir, et ce qui me fait rire, c'est le fait de dire non, que le peuple et mes partisans ont demandé que je puisse me représenter. Mais tes partisans t'ont demandé de te représenter. Toi-même, tu sais que tu es en pièce détachée là. Est-ce que tu es obligé de te présenter? Tu n'es pas obligé. Parce que tu n'as pas cette force. Voilà. Tu n'as pas cette force de te présenter. Tu n'as pas cette force de gouverner le pays. Tu n'as pas cette force. Et aujourd'hui, on a son frère qui est là. Ce sont eux qui sont en train de prendre des décisions dans le pays. Non, c'est lui qui a appelé Adou Richa pour dire à Adou Richa non de convoquer Yodé et Siro. Brahima Ouattara. 10 photocopies. Pour la première fois, mais Bakayoko n'a rien fait. Ça, c'est pour la première fois. Deuxième kata que lui va faire, ça sera plus grave que pour Brahima. Vous voyez ça? Quelqu'un qui se lève parce qu'il est le frère du président, qui appelle le procureur pour dire au procureur, non, il faut convoquer cet artiste parce qu'ils ont tenu des propos que moi, je n'aime pas. Et avec ça, on dit non, voilà, le pays marche bien, le pays est bon, tout baigne bien. Mais si tout est bon, tout marche bien, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas heureux dans le pays? Pourquoi les Ivoiriens manifestent? Pourquoi les Ivoiriens ont un problème avec la gouvernance de Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi nous avons tout ce problème? 5 universités en 5 ans. Cocroco, il n'y a rien. On dit les hôpitaux, 5e puissance mondiale. 5e puissance mondiale. Alassane Dramane Ouattara se lève. Il prend l'avion présidentiel qui est payé. On met du kérosène avec l'argent du contribuable. Il va se coucher quelque part à Paris. Et puis on donne les 5e puissance mondiale. 5e puissance. Mais comment on peut concevoir cela? 5e puissance, nous n'avons même pas des hôpitaux adéquats pour pouvoir vous soigner. C'est pour cela que vous les voyez, 1, 2, 3 là. Ils sont tous malades d'abord. Tu sais, Dieu là, il est truc. Hein? Il sait tout ce qu'il ne va pas donner. C'est que, de toute façon, quand tu deviens grand, ton problème là, ça devient grand. C'est comme ça. Vous voyez Alassane Dramane Ouattara là. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas. Le vieux, je vous dis qu'il est en pièce détachée. Il n'y a pas quelque chose que le vieux là n'a pas. Il a tout, 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 tout. Pourquoi ne pas faire des hôpitaux adéquats dans notre pays? Au lieu d'être là en train de, comme on le dit, d'incarcérer les opposants. Pourquoi ne pas faire des hôpitaux? Pourquoi ne pas faire des écoles? Pourquoi ne pas créer des emplois? Pourquoi le social n'est pas développé? Aujourd'hui, il y a certaines maladies, un palu qui continue à tuer. Pourquoi le palu doit tuer encore, quand même? Le palu doit même plus tuer en Côte d'Ivoire. Mais ça, ce n'est pas leur priorité. Hein. Leur priorité en ce moment-là, c'est qui va être vice-président entre Ahmed Bakayoko avec photocopie. Voilà, c'est la guerre. C'est la guerre. Qui sera vice-président? Qui va prendre le pouvoir? Qui va taper qui? Qui va taper qui dans le dos? Qui va chasser qui? C'est de ça. Ça, c'est leur, comme on le dit, c'est leur focus. Mais on ne peut pas continuer dans ça. On ne peut pas. On ne peut pas continuer dans ça. Alassane Dramane Ouattara doit comprendre. Nous sommes fatigués. Voilà. Il en a assez fait. Il a assez posé des actes dans notre pays. Depuis qu'il a été introduit par le président Félix Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, là, nous les Ivoiriens, nous n'avons plus jamais eu la paix. Plus jamais eu la paix. Il est à la base de la déstabilisation de tous les pouvoirs qui ont existé dans notre pays. Il faut qu'on se dise la vérité.
Il faut qu'on se dise la vérité. Une seule personne qui va détruire tout un pays. Et puis nous sommes là, nous regardons, nous cautionnons. Parce qu'il y a un clan, il y a un petit comme un groupuscule de personnes autour de lui. Voilà, qui sont là, qui bouffent, qui ont leurs intérêts, qui ont leur compagnie, qui ont les plus grands contrats. Donc ils sont ok, ils s'en foutent. Même si le pays brûle, c'est pas leur problème. Le président Bédier, là, ils n'ont pas pu l'incarcérer, c'est à cause parce qu'ils ne peuvent pas. Alassane Draman Ouattara connaît ce que il voit les yeux, voit bagage. Il connaît. Il ne peut pas incarcérer le président Bédier. Son adresse, son, comment on appelle, son adresse de ses relations. Bédier, là, il en a. Peut-être il en a plus que toi, Alassane. Il en a plus que toi, Alassane. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas continuer. Yodé et Siro ne méritent pas du tout ça. Voilà. On a DJ Volcano qui est incarcéré en ce moment. Et avec ça, je vois des, comme on appelle, des personnes en train de faire des concerts pour Siriki Diabaté, voilà, qui est incarcéré. Quelqu'un qui est au Mali là-bas, les Maliens n'ont pas fait concert pour soutenir Siriki Diabaté. Mais c'est vous les Ivoiriens. Vous voyez comment nous là, on est vraiment Ivoiriens, on ne voit rien. C'est une triste réalité. Nous ne voyons rien. Ivoiriens voient rien. On ne voit rien. Au lieu d'être là soutenir nos frères artistes, au lieu de là nous mettre ensemble, faire un bloc, on dit non. Non, Yodé Siro, il a insulté le président. Il a dit non, que le président ne respecte pas les lois. Mais Alassane, est-ce qu'il n'y a pas plus grand et violeur de la constitution qu'Alassane? Alassane, il est mal poli. Il faut qu'on se dise la vérité. Alassane est mal poli. Quelqu'un qui a violé notre constitution, la constitution qui est la clé, qui est le noyau, qui est le noyau de tout. Il a pu violer cette constitution. Et on dit non qu'il ne respecte pas les lois. Vous dites non, qu'il a insulté. Non, ils ont insulté le président. Il dit non, Adil Richard est devenu le procureur du RHDP. On dit non, il a manqué de respect à tous. On s'en gaba de ça. Ils n'ont qu'à leur maudire. Moi, je m'en gaba de ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Ouattara, il n'est le père de personne. Il ne nourrit personne. Il ne nourrit personne. Pourquoi nous devons avoir peur de dire la vérité à nos dirigeants? Et c'est nous qui les payons. Moi, c'est la partie là, je comprends. Quelqu'un que tu payes et puis il ne fait pas ton travail. Tu lui dis non, voilà, il faut partir. On dit non, il ne faut pas partir. Non, je ne vais pas. Et puis en plus de cela, il te frappe dans ta propre maison. Et puis quand tu veux parler encore, il te met en prison pour ajouter dessus. Mais on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer dans cette logique. C'est impossible. Nous ne pouvons pas continuer dedans. Tu sais que tu n'es pas bien portant. Tu veux forcément te positionner parce que toi, tu as un agenda. Tu dois mettre ton frère Ibrahim en photocopie. Et ce monsieur d'Ibrahim en photocopie, je vous dis, excusez-moi, moi je dis les choses comme elles se doivent. Je ne pèse pas mes mots. Je dis, Ibrahim en photocopie là, il est, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce monsieur, il est idiot. Excusez-moi, je ne suis pas en train de l'insulter, mais je suis en train de vous dire comment il fonctionne. Il n'est pas intelligent. Il y a quelque chose qui est... bon, d'après ce que j'aurais appris, son enfance, il n'a pas... Voilà, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Voilà, il n'est pas normal. C'est lui qu'on va prendre pour venir le déposer pour être vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Draman Ouattara n'a confiance en personne. Parce que Alassane Draman Ouattara, c'est la marmaille, la zizanie et la chienne qu'il a créée dans notre pays. Les ressources et les biens qui ont été pliés. Il ne veut en aucun cas. Parce que je vous dis quelque chose. Hein. Si vous voyez que Ouattara est en train de s'accrocher à ce pouvoir-là, c'est parce qu'il sait que le prochain président qui va venir là, si ce président n'est pas du RHDP là, et que nous rentrons dans les comptes, parce que normalement là, même aux États-Unis, quand tu es un président, tu fais certaines, comment on appelle, réalisations, tu poses certains actes, quand tu parles, tu fais le bilan de ce que tu as eu, l'argent du gouvernement là, que tu as dépensé là.
on te fait des audits. Tu dois dire, j'ai pris cet argent, j'ai construit telle université, j'ai pris cet argent, j'ai fait tel ou tel truc. Mais comme Alassane sait que il a foutu la merde et il sait très bien que le prochain président qui va venir là, si ce président n'est pas de comment on l'appelle, de son bon politique et tout, il sait très bien qu'il sera dans les problèmes. C'est ça. Donc il veut mourir. Je vous dis que Ouattara veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Il veut faire comme le président Félix Houphouët-Boigny. Mais le président Félix Houphouët-Boigny là, c'est lui qui nous a donné au moins l'indépendance. Lui au moins il nous a donné l'indépendance. Mais toi là, tu nous as incarcérés. Tu as fait de nos maris des prisonniers. Tu as fait de nos frères des prisonniers. Tu as lancé des mandats arrêts internationaux contre d'autres. Il y a d'autres aussi, tu as fait de des exilés. Même dans notre loi, un Ivoirien, un ex-président, comment on peut envoyer quelqu'un à ces pays? C'est sous le régime de Ouattara, on voit ça. C'est sous le régime de Ouattara. Donc un toqué, un Allemand va diriger notre pays. Ibrahima, un Allemand là, c'est lui qui va diriger notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est le frère de Ouattara. Ou son soi-disant fils. Je ne sais même plus. Tellement cette famille, c'est une famille de merde. C'est lui qu'on veut forcément imposer. Un pédophile de première classe. Quelqu'un qui n'a même pas, comme on le dit, qui ne réfléchit pas de un, qui n'a même pas pitié, qui s'emmène à aller sortir avec des petites filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Moi, je sais de quoi je parle. Il va parler, on va casser son papier encore. C'est un Allemand. Je vous dis que c'est un Allemand, ce monsieur-là. Ibrahim Ouattara, là, son Congolo, là, il n'y a pas ça. C'est pas normal. Il est toqué. Lui, il est toqué. C'est un Allemand. Et puis son frère, lui, il est pièce détachée. C'est quelle famille, ça? On a encore Ahmed Bakakolo, c'est le narcotrafiquant. Lui-même, tout ce qui est mauvais dans le pays, là, il a tout essayé. Il a tout essayé, il a tout fait. Et on a des députés Loubar. On a des procureurs Nyambro. C'est que dans nos pays, là, on a tout vu, on a tout. Un toqué, c'est un toqué même quoi. Un pays de merde. Quand on va sortir, on va parler. On dit non, pourquoi vous parlez? Non, c'est pas normal. Non, on ne veut pas. Non, nous, on va se maintenir au pouvoir. Mais comment pas accepter que des Nalomons soient qui vont gérer notre pays? Nous avons trop de jeunes intelligents. Comment des Nalomons vont gérer notre pays? Imaginez-vous, hein, Brahim va venir pour dire oui, monsieur le président, et puis il est là. Il ne comprend pas. On dit oui, monsieur le vice-président, aujourd'hui, là, il y a une session qui va se passer au niveau des États-Unis et tout. Et voilà, la Côte d'Ivoire, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire. Il dit, il n'est pas habitué, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il n'est pas normal. Donc, c'est lui en prendre pour venir le déposer, pour gouverner nos pays. Mais on a fait quoi? On ne mérite pas ça. Nous ne méritons pas ça. La Côte d'Ivoire ne mérite pas d'être toqué pour venir diriger notre pays. Nous ne méritons pas cela. Ahmed Bakayoko, lui aussi. Quand on va l'emmener, il va dire, yeah, ma. Waouh. Lui, va aller faire bon malin là-bas. Puis là, il a son poupon en poudre dans sa main en train de sniffer ça. C'est les futurs présidents qui sont là. Des vendeurs et des consommateurs de poupon en poudre. Ce sont eux qui vont diriger notre pays. Ceux-mêmes, leur religion, là, même, c'est confus. Ils sont francs-maçons. Après, on dit non, vendredi, ils sont à la mosquée. Après encore, on dit non, que les opposants doivent sortir. Ils font en même temps un conseil pour les évangélistes. Moi, mais je ne comprends plus rien dans le pays-là. C'est que tout est nyarami même quoi. Tout est abracadabra. C'est nyarami même quoi. Tout est mélangé dans le pays. Ahmed Bakayoko, on ne sait même pas où il vient. Tu es franc-maçon, hein? Tu es musulman. Il est franc-maçon du lundi au jeudi. Vendredi, il devient musulman. Dimanche, il devient évangélique. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça que nous sommes. Brahim, lui, quand il arrive à Korogo là-bas, là, c'est gâté. Les petites filles de 15 ans, 16 ans, il les allume. Pa, 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 pa. Tu as pensé que c'est piano, mais il est en train de jouer dans la ville. Pro, pa, 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 pro, pa, 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 pa. Il les allume. Pa, 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 pa. Tranquille.
Et puis son cœur, il ne s'achauffe pas. Quand on lui dit, tu as fait quoi? Il dit, non. Il est bête. Il est toqué, toqué. Il ne comprend pas. C'est lui qui va gérer notre pays. C'est à lui qu'on va donner la gérance de notre pays. Bitogo, lui aussi, elle, ses grosses fesses, elle n'a pas fini de soulever ça. Lui aussi, il est là, il marche et puis il remet ses fesses dans la vie. Paka, 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 paka. On dit, où tu parles? On dit, oui, c'est Bitogo. On dit, c'est lui. C'est lui qui est le patron maintenant de RHDP. Quand tu veux parler, bah, il va te gifler ses fesses. Lui aussi, on ne peut pas parler. Kandja, elle aussi, elle a créé son dictionnaire. Kandja Rose. Quand tu veux dire quelque chose, bah, elle met te gifle avec les mots. Puis tu es là, tu es confus. Tu dis, c'est le ministre de l'éducation. Mais dans quel pays nous sommes? Les mamies bien qui sont, elles-mêmes, elles veulent frapper les gens même dans plein assemblée nationale. Mais maman, on est dans quel pays? Aidez-moi un peu. Nous sommes dans quel pays? Nous, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça là? Pourquoi? Pourquoi? Mais attendez, on ne peut pas continuer dans ça. Nous ne pouvons pas continuer dans cette logique. Il y a des gens qui étaient cachés quelque part en Suisse. Les Mamadou Touré qui étaient à Bobo là-bas. Lui là, son cassement de papo là, ça arrive. Je ne suis pas pressée, j'ai fait ça minutieusement pour lui donner. Toi, tu étais caché quelque part en Suisse. Lui aussi, il sort. Il dit, oui, on n'a rien fait dans la rébellion. Je vous dis que ce sont des nalomans, des toquetoquets qui sont dans le pays. Là, vous pensez que je suis en train de les insulter? Je ne les insulte pas. Je vous dis réellement quelle mentalité ces gens-là ont. Ils sont idiots jusqu'à... Vous ne pouvez pas comprendre. Même pas réfléchi. Quand tu vas parler, on dit, wow, c'est prison. Quand tu parles en même temps à 2h, 3h du matin, voilà les miliciens qui sont chez toi. Mais c'est quelle vie ça? Toi, Adou Richard, là, tu sais donner mandat d'arrêt. Et puis Alassane Draman Ouattara, c'est toi qui sais attraper les gens, non? Maladie que si Ouattara, il faut aller attraper ça pour nous. Pourquoi Ouattara est couché à Paris là-bas? Écoute, KO, toi-même, ça t'a KO. 4 semaines. Tu t'es autoproclamé en 4 semaines. Tu es KO. Donc il faut, non mais arrêtez. Il faut arrêter. Vous êtes là dans le pays. Les gens, c'est que, écoute, KO. Oh, voilà, Ouattara, puissance, ado la solution. Hein? Toi, tu as solution au problème et puis tu es couché là-bas. Tu as solution et puis tu es couché. Écoute, KO, toi-même, ça t'a KO. On n'a même pas encore commencé ton fameux troisième mandat de la Troisième République, je ne sais quoi. Tu as déjà pris des bains. Tu es déjà couché à plat en 4 semaines. On va sortir pour parler. Quand tu parles là, ces brigades de recherche, quoi là, mais je ne sais même plus. Ils vont parler leur gros français, ils vont citer des articles même qui n'existent même pas. On dit article 64. Yodé et Sir ont violé article 64. Ils vont créer des choses pour nous à debout dormir, pour nous déposer et nous dire, ah voilà, ce sont tous les jours, hein. Ils sont là, ils créent les articles. Article 2, on dit non que tu as loigné Alassane Ouattara. Article 3, on dit que tu as lancé Turu à Ouattara. Article 5, on dit non, tu as loigné Ouattara. Article 10, on dit non, tu sais que c'est les articles, on cite les articles, des articles. Un pays rempli de nalomans comme ça, des toki-toki. Et on est là, on évolue dedans. On dit non, on n'a pas le choix. Alassane, à puissance, à Maïde, on doit accepter. On doit accepter, on ne peut pas parler. Mais attendez là, on va où? Où allons-nous? S'ils ne sont pas en train de s'allumer entre eux, dans les concours Libal, ça, ils sont numéro 1, ils ont fini. Chacun d'entre eux, ce sont Goumou, 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 Gama, Goumou, Gama. Ils se cognent entre eux. Quand lui prend ça, il dépose. Quand il prend ça, il dépose. Ils sont là, ils se goumouent entre eux. Non, si c'est le côté Libal, là, ils sont numéro 1. Voilà. Ils sont numéro 1 dedans. Mais pour gérer nos pays, là. Ah non. Non, 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 non. Impossible. Photocopie, lui, là, sa petite gosse sénégalaise. Quelque part, il a payé maison. Il a payé voiture. C'est cassé-moi des papos, là, c'est affaire à suivre. Et il a tout payé, il a déposé à la fille. Tout ce qu'elle a fait là, elle suce bonbon, c'est tout. Elle suce. Quand il arrive au nord là, les petites filles là,
Ces bonbons, ils vont sucer sur photocopie jusqu'à... Il va partir. Ce sont eux qui vont gérer notre pays. C'est à eux. On va déposer des gens même qui ne nous représentent même pas sur le plan national. Imaginez-vous, on prend photocopie, venu le déposer aux États-Unis. On dit, il n'a qu'à parler avec Joe Biden. Hey, Seigneur! Il va dire quoi? Il va commencer par où? Il va terminer par où? Quelqu'un qui est naloma, toqué, toqué. Et c'est ça le pays. La comment on le dit, la république dramanienne. On ne peut pas parler. Mais allons-nous, allons-nous. Ouattara, il est fatigué. Moi, je vous dis, le vieux là, il est fatigué. Il a besoin de se reposer. Voilà. Il a besoin de se reposer. Pour lui, là, même Puneux Sekou, mais on ne peut même plus faire. On ne peut plus faire de Puneux Sekou sur Ouattara. Il est pièce détachée. C'est que même si on va le changer, comment, attesté, tourniste, c'est cocoroco, c'est gâté. Voilà. Tout ce qu'il a besoin de faire, il n'a qu'à aller se reposer, à manger ou bien bouger. Je ne sais même pas le nom de la ville de sa femme. Il n'a qu'à aller se reposer là-bas. Notre argent qu'il a bouffé là, ce n'est pas grave. Il n'a qu'à prendre. Il n'a qu'à se reposer et puis laisser la gérance de notre pays là, dans la main des personnes qui sont aptes, qui ont la capacité physique, mentale, intellectuelle, qui peut gérer le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ils peuvent gérer le pays. On ne peut pas continuer avec des vieux cons. Quand il y a des vieux cons, on dit, j'ai insulté. On dit, mais c'est un vieux con. C'est un vieux con. Quand il va venir aux États-Unis, il s'est dit, I don't want the blood of Ivorian to be verse. Quand il va dire ça, et Joe Biden va tomber. Il va dire, oula, oh, il va dire, oh my goodness, what the fuck is that? Hey, I don't want the blood of the Ivorian to be versed. Voilà quelqu'un qui a fait ses études aux États-Unis. Combien d'années l'a fait aux États-Unis? Eh, nous-mêmes, quand on dit qu'on a fait études, là, les gens ne vont même plus croire. On m'a dit, vous tous là, tellement Alassane a mis là, il a mis dans nos yeux. Si moi-même la guerre, je me lève, je me dis, ah, j'ai demandé ça là à l'école, on dit, oh, c'est la même chose là. On n'a même plus confiance, il n'y a plus de crédibilité. Plus de crédibilité. Mais quand c'est les Libanes, là, ah non. Quand c'est pour breaker les petits gos, là, ces petits gos qui sont sur Paris, là, là, il va bien parler. Hein. Et puis quand ça chauffe, là, quand il veut se montrer devant les gens, là, même, il dit oui, oh là là, Soro, ah non, ce petit-là, je vais appeler Macron. Oui, ça ne marche pas comme ça. Il va me sentir. Ah non, mon Ouattara. Ah oui, moi, je suis FMI. Ah oui. Ah non, je vais appeler Trump. Ah oui. Ah non, ce petit jeune. Ah non, il va me sentir. Ah, et puis il dit à son gars qui est à côté là. Il dit, donnez, comment on appelle mon téléphone, il va faire semblant. Tout ça là, c'est pour se vanter. Toi, on t'a vu, tu as sauté clôture. Tu portais petit caleçon, comment on appelle les boxeurs là, tu te baladais. Quand il se lève le matin au golf hôtel là, cocoroco, il est là. Il a dit, sa chambre est la chambre de Soro, elle s'est collée. Quand Soro va dire, ah, yeah! Il a peur, il pense qu'on est en train de bombarder même golf hôtel. Un peureux comme toi. On t'a quitté jusqu'à tu voulais fraya. On dit non, il faut rester un peu. Soro est sorti. Il a fait un peu. Jusqu'à on est venu, on t'a pris, on t'a déposé. Tu dis non. Soro, il n'a rien fait. Tes photos que tu avais dans tes petites culottes, là, on a ça, on va poster ça. Tu me connais. Oh. Ça chauffe même pas. Quand Soro vient comme ça, il est là. Quand c'est comme ça, là, monsieur Soro, ah, mon fils, ah, vraiment, sans toi, là, ah, non, tout. Il est là, il a peur, il a la bougeotte, il tremble. Alassane, il n'y a pas plus peureux que... L'ancien, comment on appelle, même les bangers, là. Vous êtes déposé à côté de Ouattara, va fraya, va mettre dedans. Un peureux comme ça. Et quand il sautait clôture, là, c'est pas quelqu'un pour dire non que lui il va faire sa femme va sauter d'après. Il est à partir de ce film là, quand tu racontes ça, tu vas tomber par terre. Dans l'affaire de sauter clôture de Ouattara là. Ouattara a sauté premier et puis après Dominique est venu. Un bon mari là. Tu penses d'abord, tu dis non, ta femme, tu vois, non, tu laisses ta femme, tu dis ah bébé, voilà, vas-y. Moi je suis prêt à mourir. C'est que même si on m'attrape là, c'est pas grave. Alassane a sauté clôture et puis après Dominique l'a suivi.
un peureux comme ça. Aujourd'hui, tu es là. On dit non. Soro n'a rien fait. Soro n'a rien fait. Non, Soro là, il est un rebelle. Mais si Soro n'avait pas été rebelle, toi, tu n'allais pas être là où tu es là aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. C'est la rébellion qui t'a donné non. C'est la rébellion qui a permis que ton Ouattara, tu sois assis aujourd'hui. Donc, il faut dire merci. Dis merci à Soro. Donnez à César ce qui appartient à César. Si Soro n'avait pas été rebelle, mais affaire était Huawei il y a longtemps. Gbagbo, là, il t'avait écrasé. Ça, là, on ne discute pas. Gbagbo t'avait écrasé. Mais c'est parce que Soro a été rebelle. Aujourd'hui, voilà, on souffre. On a chassé Gbagbo. On dit non, lui n'est pas bon. On dit c'est Ouattara, monsieur FMI. Quelqu'un, on ne sait même pas ce qu'il a fait dans FMI. Oui, le DG de FMI. Il était dans le côté des Africains. On dit, quand on l'a vu, on a vu FMI, ils ont vu Ouattara. On dit lui là, c'est un vrai poltron. Quand on a vu Ouattara, on dit lui là, on va le prendre, on va aller le mettre dans le côté des Africains. Il va aller gérer le côté des Africains. Vous pensez qu'il était là, il était bien placé au niveau de la FMI? Arrêtez de mentir aux gens. Et puis son PhD là, il a eu ça où? C'est pas écrit quelque part aux États-Unis ici. Hein? Je vous dis ça. Hein? Il n'y a pas PhD de Alassane. Quand il y a le PhD là, on écrit ça. Il y a un journal où on écrit tous ceux qui ont PhD là. Il n'y a pas de nom de Alassane quelque part dans PhD. Pourquoi il va venir mentir aux gens qu'il a eu PhD? Il a quel PhD? Il a quel PhD? Il n'a pas de PhD. C'est du lobbying que sa femme a lui a fait. Voilà. Donner l'impression que lui, là, il était bien. Ils ont volé l'argent, volé jusqu'à... Mais vous avez volé. Ça suffit. Ça suffit. Quand tu vas sortir pour parler, on va m'insulter. Non, la guêpe. Tu vois, tu es comme ci. Tu es une comme ça. Ta mère con. Ah, tu es une pute. Ah, il faut aller te marier. Ah, tu n'as pas marié. Souvent, on insulte ma perruque. Ma perruque, tout ça, là, ça ne change pas le pays. Voilà. Je suis mariée, je ne suis pas mariée. Ce n'est pas votre problème. Ce qui est sûr, je... Vous voyez pas l'air. Ce n'est pas votre problème. Voilà, je suis comblée. Je suis très comblée. Ne vous inquiétez pas pour moi. On vous dit, Ouattara, monsieur pièce détaché, il est temps pour lui de partir. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas de la guêpe. Ce n'est pas le problème de la guêpe. Perruque là, si je veux là, je pose ça tous les jours. Il n'y a pas de problème. Si je veux là, je ne grossis pas. Il n'y a pas de problème. Je vous ai toujours dit. Il y a des quand tu as l'argent, tu es un peu là, tu ne peux pas grossir. Voilà. Caviar là, on ne peut pas grossir dessus. Donc laissez-moi comme ça. Ceux qui grossissent bête, comme Bitogo, elle est grosse, ça c'est malnutrition qui fait. Laissez-moi dedans. On dit Ouattara là, c'est un sanguinaire, c'est un dictateur. On veut que Ouattara passe. Vous parlez de la perruque, de la guêpe. Vous parlez de la guêpe. Ah oui, il faut aller te marier. Moi, je vous ai dit que je suis mariée. Je vous ai dit que je ne suis pas mariée. Je ne vous ai pas parlé de ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et ils vont m'insulter sur les réseaux sociaux. Après, c'est pour rentrer dans mon inbox. Ah, la guêpe. Ah, vraiment, tu es belle. Hein? Ah, vraiment, hein? Tu nous excuses. Hein? Ah, pourquoi tu m'as bloqué? On est fatigué, au fait. Voilà. Nous sommes fatigués. On veut quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, quelque chose qui va mener notre pays à aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà une ici, Madame Touré. Voilà. C'est ça, il s'est fait. C'est insulter. Il ne peut pas venir avec quelque chose pour argumenter. Il n'y a pas. Ils vont t'insulter. Mais insulter là, quand vous faites là, tous les jours là, ça vous emmène où? Ça vous emmène nulle part. Ça n'emmène nulle part. Moi, je suis trop classe. Vous ne voyez pas? Vous m'aidez à vous sortir, vous faites clash avec quelqu'un? Ah non. Quand on est classe là, il y a l'élégance, on ne fait plus ça. On ne fait pas les clashs. On sort, on casse les papos et puis on met les gens au défi. Depuis, je les ai mis au défi là. Vous avez vu quelqu'un sortir pour me contredire? Il n'y a pas. Parce que je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un. Vous n'aimez pas, mais vous êtes calé. Vous êtes calé sur ma page. Vous êtes, quand je commence mon direct là, vous êtes calé. Donc acceptez les critiques. Acceptez que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Alassane est fatigué. Voilà. Oui, mais c'est ça. Marier ou pas, le tout est d'être heureuse. Mais c'est ça.
Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui là, qui sont misérables dans leur foyer. Voilà. Moi, je préfère avoir mon petit pompier quelque part là-bas. Tu vois, non, tranquille, ni vu, ni connu. Vous ne voyez pas comment je brille là. Vous avez vu? Voilà. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je n'ai même pas de problème même quoi. Non, je n'ai pas de problème. Même pas. Donc, ce n'est pas ça. Regardez comment je brille. Moi, même quand on me regarde, on sait qu'on s'occupe bien de moi. Ça va attacher encore des bêtes. On sait que j'ai la joie du cœur. On sait que je suis comblée. On sait que où la guêpe est là, elle n'a pas de problème. Je mange, je dors, je suis à l'aise, je suis au l'aise. Je suis comblée. Malgré qu'on me donne, on me donne gourmet de temps en temps. Mais je suis calée. Je ne vais pas quelque part. Moi, on ne me prend pas pour me déposer. Je suis calée. Je ne vais pas quelque part. Toi, la personne, il ne faut pas faire dire ton nom. Hein. Vous êtes en train de rire, quoi. Vous voyez? Donc, on n'est plus à ce stade. Voilà. On est au stade. Il faut lancer des, comme on le dit, du concret. Du concret. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous avons des personnes. On est en train de causer. Hein. Aujourd'hui, là, c'est causé. Ce n'est pas cassément des papous, mais c'est causé. Ça envoyait les Ivoiriens à comprendre que l'heure est grave. Où nous sommes arrivés, là, on a besoin d'un changement. On a besoin d'un changement. Parce que si cette génération est ratée, là, c'est fini. Les générations à venir, tout sera raté. Tout sera raté. Ce n'est pas question de... Ah non, j'entends même des gens qui disent qu'on m'appelle petit Seydou. Que oui, que moi, je n'ai pas cheveux. Mais attendez. Ça me fait rire. Pour moi, ce n'est pas important, ça. Voilà. Même si je suis chauve, là, mon mari est même. Même si je suis chauve, là, mon petit pompier, là, il m'adore. Sans cheveux. Lui-même, il est fatigué, il me dit de mettre perruque. Vous avez vu, maintenant, je mets perruque. Donc, ce n'est même pas un problème. Mais on dit Ouattara, là. On ne veut plus de lui. C'est lui qui est le problème. C'est Ouattara qui est le problème de notre pays. C'est lui qui est en train de tuer nos frères. C'est lui qui est en train de créer la zizanie dans notre pays. C'est lui qui a mené notre pays dans une instabilité totale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne fuis pas mes origines. Je suis fière. Moi, je suis fière. Mon père, je vais vous parler, mon père est d'origine sénégalaise. Voilà. Je suis fière de mes origines. Mon père est d'origine sénégalaise. Mon père a été naturalisé dans les ans, avant même, comme on le dit, l'indépendance. Mon père a été naturalisé avant l'indépendance. Je suis fière de mes origines. Je ne cache pas mes origines. Je ne cache pas. Je suis un livre ouvert. Je le dis tout le temps. Je ne cache pas mes origines. Je suis fière. Je suis une Ivoirienne d'origine sénégalaise. Oui. J'ai un peu aussi de Malienne. Oui. J'ai un peu aussi de Mauritanienne. Oui. Pour les personnes qui ne savent pas. J'ai un côté mauritanien. Je suis un mélange. Je suis mix. Donc, c'est pour cela que j'ai un open mind. Moi, je ne cache pas mes origines. Je ne cache pas d'où je viens. Au contraire, je suis fière. Aujourd'hui, là, les Sénégalais m'adorent. Parce que je ne cache pas. Quand je fais mes directs, là, les Sénégalais regardent. Ils se retrouvent en moi. Quand je fais mes directs, les Guinéens regardent. Les Maliens regardent. Les Sierra Leonais regardent. Les Mauritaniens regardent. Oui, j'ai un côté mauritanien. Vous ne savez pas ça. Moi, je suis mélangée. Je suis mélangée. Je suis une Ivoirienne née sur le territoire ivoirien de père d'origine sénégalaise qui est naturalisée avant l'indépendance. Et ma mère est Ivoirienne 100%. Elle aussi née d'une mère Ivoirienne 100%. Donc, je suis Ivoirienne. Je suis une go de Trècheville. Vous ne voyez pas? Je suis une go de Trècheville. Je suis née à la maternité de Trècheville. C'est ça qui est la vérité. Et le combat de Ouattara,
Il y a longtemps, nous sommes dedans. Je vais pas m'attarder sur ce sujet, mais je vais ressortir un jour. Je vais faire un direct où je vais vous expliquer qui est la guêpe, d'où je viens, où je pars, qu'est-ce qui m'a mené à faire cette politique-là, qui a influencé aujourd'hui ma vie qui m'amène à faire cette politique, à lutter pour ce changement, à vouloir un changement, à vouloir une cohésion, à vouloir une démocratie, à vouloir que le nord, le sud, l'est et l'ouest et le centre soient unis. Je suis du nord, j'ai un côté du nord. J'ai un côté du nord. Je suis ivoirienne. Je suis nordiste aussi. Je suis une métisse. Oui. Métisse, c'est pas la peau, hein. C'est tout le mélange. J'ai sénégalaise en moi. Nangadef, à mes amis. J'aime guinéenne. Oui. J'ai ivoirienne. Oui. Ivoirienne, je suis née ivoirienne de mère, ivoirienne de père ivoirien, oui, naturalisée depuis les années 60. J'ai mauritanienne aussi en moi. Oui, j'ai un côté mauritanien. Pour les gens qui ne savent pas. Donc, vous allez sortir pour dire quoi? Est-ce que c'est ça qui est important? C'est pas ça qui est important. C'est pas moi qui gouverne le pays. C'est Ouattara. C'est Ouattara qui gouverne le pays. Lui, il fuit ses origines. Lui-même, il n'est même pas ivoirien. Ouattara n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Il est venu aux États-Unis ici avec un passeport de la Haute Volta. Ouattara, au niveau de la Philadelphie, il était dans les... Quand on parle de Ouattara dans le temps de la Philadelphie, il n'y a même pas une association ivoirienne que Ouattara était reconnue. Il engage, c'est-à-dire qu'il était avec un peu quelques burkinabés. Ses amis qu'il avait, c'était des burkinabés. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Donc, il ne peut pas venir nous dire aujourd'hui qu'il est ivoirien, il n'est pas ivoirien. Nabi tout si c'est là. Ce n'est pas sa mère. Cassez-moi des papos de ça, on a déjà fait ça. Ce n'est pas sa mère que Nabi tout si c'est. Je sais que les gens vont rentrer dans mon imba, je m'en gaba. Ce n'est pas sa mère. Ce n'est pas sa mère. On va sortir pour parler, on dit non. Pourquoi tu parles? Non, Ado, là, c'est un bouquin. Hein. Ce vieux-là, c'est un vieux bouquin même, quoi. Et vieil, il nous a menti, il nous a malmené, il a mélangé, non, il a nyagami même notre pays, là. Et puis, il s'en va, il va aller se coucher à Paris pour dire les malades. Il faut te lever, tu vas venir. C'est trop facile, tu n'as pas déjà. Hé, vieux père, on est dans toi, on est ensemble jusqu'à la gare. Tu n'as pas déjà, hein. Tu vas venir dans le pays. Et puis, Soro, là, il va venir, il va prendre ce pouvoir. Et puis toi, Ouattara, tu vas t'asseoir par terre. Soro va te donner des conseils. Ça, là, c'est une promesse. Hein? Soro, c'est une faux, là. Quand il te promet quelque chose, là, il va le faire. Tu vas pas déjà. Dieu père, tu vas pas déjà. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Tu vas venir t'asseoir. Et puis Soro doit te donner des conseils. Un vieux bouquin comme ça. Tu penses que c'est trop facile, quoi. C'est pas... C'est un peu truc, quoi. Donc, c'était mon petit direct aujourd'hui. Non, il est fatigué. On dit il n'a plus d'amis. Tous ses amis sont morts. Wallahi, tous les amis de Ouattara sont morts. Le vieux là. Pop, 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 pop. Yeah! Tous ceux qui ont fait études, qui ont fait école à Ouattara. Eux tous, ils sont KO, ils ont pris des bains. Mais Ouattara, il est là. C'est que quand il y a une petite pièce qui décolle, ils vont, on fisse un peu. C'est qu'on ferme un peu, on l'arrange un peu. Il revient. Après encore, quand ça ne va pas, il court encore. Il s'en va, on change la... Il est pièce détachée, je vous ai dit. C'est pièce détachée. Ouattara, là, il est fini. Il est fatigué. Voilà. Il est fatigué. On a besoin on a besoin des gars. Tu vois, non? Les bons gars. Voilà. Tu vois, Soro, il est bien en forme, il est jeune. Il peut, vous voyez, non? Il peut diriger le pays. Voilà. Ouattara ne peut plus. Il peut, même quand il parle, mais il est essoufflé. Quand il parle, il est essoufflé. C'est pour vous dire que le vieux, là, ce vieux bouquin, là, il est fatigué. Il est cocoroco. Il est fatigué.
On ne peut plus rien pour lui. Non, il doit rendre témoignage, c'est trop facile. Et donc, les Français, là, moi aussi, j'ai un peu peur. Parce qu'on dit l'hôpital où il est parti, on dit c'est là-bas que Mohamed, quoi, là même, qu'il y a un ancien président, je ne sais pas si c'est de quel pays, là. On dit lui aussi, là, il s'est soigné, là, on dit il n'est pas sorti. Donc, c'est là, mon cœur bat. Il ne faut pas, il va rentrer là-bas, puis il va le djouf, il va le djouf là-bas. Alors qu'il a besoin de revenir, il ne peut pas déjà. Il faut qu'il revienne. On dit il y a un ancien président, là, l'hôpital où Ouattara est couché, là. On dit il y a un ancien président qui est, en tout cas, c'est du, un ancien président, je ne sais pas si c'est du, de la, non, pas, pas du Maroc. Ça doit être, en tout cas, du, quelque chose au nord, là-bas. On dit lui aussi, il est parti, c'est dans le même hôpital, là. Que lui, il était couché, on dit la djouf. Donc, on ne sait jamais. Vous, les gens de Kalma ou bien Kalama ou bien quoi, là, pardonnez. Il ne faut pas vous aller faire le gars là-bas, djouf là-bas. Fixez, changez les petites pièces que vous pouvez changer là. Il n'a qu'à rentrer. Parce que Soro l'attend pour lui donner des conseils. Il doit s'asseoir par terre. Voilà. Il doit s'asseoir par terre. Et puis Soro... Donnez-moi une seconde. Il doit s'asseoir par terre. Et puis Soro va lui donner, voilà, des conseils. Donc, pardonnez, ne le tuez pas. Il va revenir. Le vieux Bouki, là, doit revenir. C'est le... Ah, on dit Yasser Arafat. Ah! On dit Yasser Arafat est rentré là-bas, il n'est plus ressorti. Donc, pardonnez, vous les Français, là. Je vous confie Ouattara. Ouattara a des comptes à rendre. Voilà. Il faut que Ouattara revienne. Il doit venir rendre les comptes parce que il a fait, les gens ont goûté, comment il a incarcéré les gens à la Macala. Il faut qu'il revienne, voilà, fixez-le un peu, réglez ce que vous avez réglé, il va revenir. Parce que Macala, il faut qu'il goûte, c'est trop facile. Donc prenez soin de lui là-bas, faut pas être clamant. Voilà, clamant, l'hôpital clamant, on dit c'est là-bas il est. Où Yasser Arafat, lui il est rentré, puis il n'est plus ressorti. Mais débrouillez-vous, Ouattara va sortir. Parce qu'on a besoin de lui, Soro a besoin de lui donner des conseils. Donc aujourd'hui, c'est la trousse. On est là, on cherche Soro dans tous les recoins. Et tout, on a la trousse de Soro. On a la trousse de, du commandant Fofana aussi. On cherche aussi à l'attraper. Lui aussi, commandant aussi, il ne reste pas tranquille. Ah! Il faut rester tranquille un jour, un commandant. Toi aussi, quand tu parles, les militaires la tremblent. Yeah! Non, Soro, même, il n'y a pas Soro. Tous ceux qui sont à côté de Soro, il n'y a pas leur petit. Quand ils sortent, ils parlent bien, ils font quelque chose. Ouh, c'est un problème. Palestine. Ah ah, on dit Palestine. Donc, pardonnez-vous. Oh. Faites, comment on appelle, doucement avec, Ouattara. Il va revenir, puis on doit lui donner des conseils. Voilà. Donc, sur ce, je vous claque. Ah, il a changé d'hôpital encore. Hôpital Val de Grâce. Donc, affaire là, c'est compliqué. De... Attends, hein. Toi, tu as écrit hôpital Val de Grâce là. C'est. Il a changé d'hôpital ou bien? Par ici, la Kalma qui s'est retrouvée à Val de Grâce, c'est que son problème là, c'est compliqué. Hein? Il faut me dire. Pardon, écris-moi. Il faut me dire s'il a changé d'hôpital. Parce que s'il est dans un là, c'est comme ça. S'il est dans un hôpital qu'il a changé, s'est retrouvé quelque part d'autre là, c'est que la situation devient alarmante. Hein? Attends, il faut bien te porter des. Hey, on n'a pas fini de te donner un conseil. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Rémis qui dit le commandant, ton chouchou. Oui, si le commandant mon chouchou, il n'y a rien de mal en cela. Ah ouais? Il n'y a rien de mal. Si le commandant est mon chouchou, là, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas un vilain homme aussi, puis je suis une belle femme. Voilà. Donc, il n'y a rien dans jalousie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Toujours là à divaguer. Moi, au moins, j'ai chouchou. Eh, je suis béni. Oh. Hmm. Ah, on dit Val de Grâce est fermé. Ah, ok. Si Val de Grâce est fermé, donc, il est où alors? Ah, cherchez-le, hein. Il faut qu'il s'occupe bien de, comment on appelle, de Ouattara, parce qu'il doit revenir. Il faut qu'il revienne. Voilà. Il faut qu'il revienne en pleine forme. Pour que... Ah, on dit c'est à Vincennes. Ok, je suis en train de lire les commentaires. C'est la ville. Non, Guy Laurent, je mets le feu dans ta bouche, il ne va pas déjà. Il va revenir. Donc toi, tu ne veux pas que Soro lui donne des conseils.
Non, Soro va lui donner des conseils. Il ne va pas déjà. Il va revenir. Il faut qu'il revienne, c'est trop facile. On dit va de grâce à Vincennes. Ok. Ah, on dit c'est hôpital. Ok, anyway. Bon. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Que Dieu ait la main sur Yodé et Siro. Voilà, nous sommes de cœur avec eux. Vraiment, le combat pour la démocratie. Il y aura plein de Yodé et Siro. Voilà, on va toujours continuer ce combat. Et on va pas arrêter. Voilà, l'heure n'est plus à cela. On va continuer. Ismaël Diko dit, viens, je veux te marier. Et Ismaël Diko, je n'ai pas un cœur à prendre. Voilà, tout de suite, on dit, commandez mon chouchou. Toi, tu dis, tu vas me marier. Je fais comment? Dans mon seul, j'ai deux. Ah, ça sera compliqué. Oh. Donc, ça sera compliqué. Et puis, moi, j'aime les petits pompiers. Donc, là. Ah. Ok, donc, chahuter un peu. Ben, je vous claque plein de bisous. Vraiment, que la grâce soit avec vous. Et je le dis toujours, hein, il y a ce combat que nous sommes en train de mener là. Ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile, ça ne doit pas être facile parce que ce pourquoi nous sommes en train de lutter, c'est quelque chose de très important. La démocratie, là, ça n'a pas de prix. La liberté d'expression n'a pas de prix. L'entente n'a pas de prix. C'est de ça qu'il s'agit. Dans toutes ces personnes aujourd'hui, mais pourquoi vous êtes en train de rire? Je vois beaucoup de personnes qui rient là. Qu'est-ce qu'il a dit pour vous êtes en train de rire? Aïe. Aïe, je ne comprends pas. Hein. Les gens rient seulement. Ou bien, comme il a dit, je ne suis pas un cœur à prendre là. Quelqu'un qui a un problème, qui s'appelle la guêpe. Si ce n'est pas toi-même suicide prémédité là, tu vas chercher quoi? Comment tu peux chercher quelqu'un qui s'appelle la guêpe? Tu veux marier quelqu'un qui s'appelle la guêpe? Toi-même là, quelqu'un même on dit son nom, c'est la guêpe. Ça, c'est pas toi-même vouloir te tuer là. Tu as fait comment? faut avoir longue vie, pardon. Ok? Donc, je vous claque des bisous. J'ai été un peu longue aujourd'hui, mais comme je le dis, c'était tout juste voilà, une causerie. Donc, je vais revenir sur Yodé et Siro. Leur rend hommage. Mais les têtes de riz, là, c'est ça, je ne comprends pas. Vous ne voulez pas que j'arrête mon direct, quoi? Ah, Lola. Qu'est-ce qui fait rire? Et où est-ce qu'on a fait de petits pompiers, là? Et moi, je les aime. Hein. J'aime les petits pompiers. Oui. Chacun a son péché mignon. Je les aime quand ils sont bien frais. Bien grand détail, ils sont pas gros, même s'ils sont gros là, mais bon, ça va un peu quoi, ça dépend. On peut jongler, mais tu vois, nous bien là, qui ont un peu les six packs là, voilà, c'est ça. Non, c'est ça, la guêpe elle aime les petits pompiers, donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on les oreilles entendent? J'aime les petits pompiers, bien élégants là. C'est que toi-même, quand tu es à côté là, tu sais que tu as réussi, même si tu n'as rien. Quand tu regardes, hein, le gars dit ouh. Ma chérie, ton café cacao là, ça bousso. Tu as percé des. Alors que le gars, là, il te donne goumé. C'est que quand tu l'appelles, là, il ne décroche pas et puis tu es sûr pour déposer dessus. Mais tu es là. Tu es à l'aise, tu es au l'aise. Yeah. Quand te voit lui, quoi, c'est ton trophée même, quoi. Oui, j'adore ça. Oui, moi, je ne cache pas pour moi. Je les aime comme ça, les petits pompiers. Oui, même s'ils n'ont rien, ce n'est pas grave. C'est ceux qui n'ont rien la même que l'amour la même. Mais je n'aime pas ceux qui sont vilains. Ils sont avares. Et puis ce sont eux qui sont jaloux. Trois péchés. Je ne supporte pas. Mon seul, là, mon gars, là, il ne peut pas avoir trois péchés. Tu ne peux pas être vilain. Tu ne peux pas être avare. Et puis en plus de cela, encore, c'est toi qui es jaloux. Pourquoi? Moi, il a fait quoi à Dieu? Non. Tu prends un et puis tu laisses l'autre. Si tu es jaloux, là, c'est que tu es bien. Tu es bien, tu vois, non? Tu es bien taillé, quoi. Voilà. C'est comme ça. Non, moi, je n'ai pas l'argent, hein. Mais quand je suis à côté de quelqu'un, même s'il est moisi, là, quand on me regarde, on dit, il est un peu. Oui! Oui!
vous m'avez mis dans un deuxième frapponnage encore. Eh, Seigneur, vous êtes calé encore. Oui, les petits pompiers, c'est doux. Ah oui. Ah oui, je les adore. Je les adore. Ah oui. Oui, que ceux qui ont les oreilles entendent. Donc, si tu es vilain, tu es moisi, et puis c'est toi, tu es jaloux encore. Les trois péchés, là. Faut cliquer Dieu sur la guêpe. Voilà. Mais si tu es moisi, et puis, tu vois, non, tu es beau, même si tu n'as rien, tu es déjà full, quoi. Il dit, bébé. Ah! Tu as reçu heureuse, ben, il est beau. Voilà, là, il parle pas beaucoup. Il dit, oui, bébé, ah, tu sais. Ah, oui. Là, là, tu es, tu vois, non, tu es à l'aise. Oui. Ah, on me dit un peu de musique. Yeah. Oula, vous ne voulez pas que je... J'ai fait direct de une heure de temps aujourd'hui. Tellement vous aimez affirage. Il y en a un qui dit, moi, j'ai pas, mais je remplis tes conditions, la guêpe. Mais, aïe, si tu, toi-même, tu dis que tu n'as pas, et puis tu dis encore, tu remplis les conditions. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas, puis tu remplis les conditions encore dedans? Laissez-moi mon petit pompier. J'ai dit les frais. Yeah! Papa, la fraîcheur. Oui, 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 oui. Mon mec, c'est à côté. Même quand il dit, il me fatigue. Il me donne gourmet. Mais quand il m'appelle, il dit allô? Aya. Allô? Bébé? J'ai dit, gourmet la veille, c'est pas où t'es parti. Yeah, 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 yeah. J'ai dit, oui, papa. On dit quoi? Oui, mon cœur. C'est comme ça. Voilà. Même s'il n'a rien. Là. Mais parce qu'il est frais. Là. J'accepte. Et puis, je suis calé. Je ne vais pas quelque part. Yeah. À faire où je suis là, là, ici, dedans. Il va aller où? Oui, il y a quelqu'un qui dit, je suis naughty girl. Oui, j'aime les bonnes choses. Hein. Oui. Oui, j'adore les bonnes choses. J'adore l'élégance. Oui, la classe. Même quand tu n'as rien là, c'est mieux de faire envie que de faire pitié. Ah là. Donc laissez-moi avec mon petit pompier. Il y a les hommes là, ils sont calés sur mon direct. Je dis rien de bon, mais on est plus de 1200 encore calés. Ils sont là, ils rient. Hé, hey, la guerre, bonne nuit. Hé, hey, faut me boy. Hé, hey, faut. Il y a quelqu'un qui dit Kader ou Aboulaye. Les deux sont bons. Mais bon, tu sais, comme je ne peux pas faire une compare, Kader, oui, Kader, c'est un joli, c'est un mignon garçon. Abla aussi, lui c'est un, comme on appelle, oh. C'est un commandant. Oh. Ah, vous voyez, lui là, ah, lui peut te soulever puis te mettre au dos. Kader aussi, il a les muscles un peu. Hein. Kader aussi peut me mettre au dos. Hein. Bon, si je prends les deux là, ça fait quoi? Je peux prendre les deux. C'est pas interdit. Oh. Moi, j'aime les pompiers, donc je ne suis pas... Je peux mélanger les deux. Voilà. Que le meilleur gagne. Je suis un livre ouvert. Jean de Dieu dit, moi, je veux me compter parmi tes petits pompiers. Eh, Jean de Dieu. Pas ma longue vie. Ah, ouais, 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 ouais. Oui, Tanguy, il n'y a plus de sujet. Tu peux aller dormir, hein. On ne t'a pas attaché, là. Oui, il n'y a plus de sujet. Maintenant, on parle du petit pompier de la guêpe. J'ai fini de faire mon frapponnage. Vous allez continuer. Donc, on continue dedans. Jusqu'à demain. Voilà. Non, Amira, c'est mon cœur. Hey, Amira, c'est mon mari. Je n'ai pas dit je suis mariée. Je suis en train de parler de mes petits pompiers. Amira, c'est mon mari. C'est pas la même chose. J'ai mon mari blindé Amira et puis j'ai mes petits pompiers. Oui, mais c'est la guêpe. Je vous dis que je suis sénégalaise, mélangée malienne, mélangée ivoirienne, mélangée mauritanienne. Comment moi, si je parle avec 4 nationalités puis avant ce mari, pourquoi? J'ai un mari qui est là, Amira blindé, puis maintenant j'ai les pompiers. Voilà. Ah, les Ivoiriens. Tellement vous voulez savoir la vie. Ah, oui, je dis je prends les deux. Yeah. Deux bonheurs comme ça. Oui, je prends les deux. Non, je prends les deux. Voilà. Maintenant, entre les deux, là, chacun maintenant doit démontrer un peu. Voilà, c'est qui sait faire quoi. La personne qui a le dos solide, qui peut bien me mettre au dos. Moi, j'aime qu'on me mette au dos. Ça, je ne grossis pas. Voilà.
C'est pour ça que je ne grossis pas. Vous voulez que je grossisse là? Et puis on va arrêter de me mettre au dos. Moi, je ne grossis pas. Hein? Vous êtes vaincu. Yeah, esprit de grosseur, sors de mon corps. Voilà. Donc, je suis bien, je suis à l'aise. Ne vous inquiétez pas. Je suis à l'aise. Je suis au l'aise. Oui, Achata, je m'ennuie. Hein? Je m'ennuie. André, toi aussi, tu t'ennuies. Hein? Tu es calé à moi ici. Hein? Ah là, baguette que je raconte du n'importe quoi. On a encore 1000 personnes connectées. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, je vais aller dormir. Hi. Ok. Donc, on va repartir. Mon boy, je vous claque. Plein de bisous. Voilà. Et vraiment, que Dieu nous donne la force. Que Ouattara puisse revenir. Voilà. Soro va prendre ce pouvoir. Voilà. Il va prendre. Il va donner conseil à Ouattara. Voilà. Et la guêpe va rentrer. Je vais rentrer au pays. Comme ça, je serai avec mes petits pompiers. Au calme. Moi, il ne cache pas pour moi. C'est pas comme Brahim. Hein. Tu vois, qui lui, il cache, il va à 12 ans, 15 ans, 13, 15 ans, 16 ans. Moi, je dis, oh, j'aime les petits pompiers. Oui, j'ai un peu de Camerounaise en moi. Oui, un peu. J'ai un peu de Camerounaise en moi, en esprit, quoi. Ah, on dit en Mauritanie, la femme peut avoir plusieurs maris. Ah, c'est pour cela. Dieu fait rien au hasard. Je vous ai toujours dit. On dit la guerre, pardon, c'est bon. Hein? Il va se fâcher, il va te reposer. Il ne va pas se fâcher. Oh. Ça a fait des championnats, ma chérie. Moi, c'est international. Oh. Donc, s'il n'a pas la force là, il n'a qu'à avoir le moral. Abizou, merci beaucoup. I love you too. Merci beaucoup. Kofi Amand, merci. Je vous claque. Je vous claque plein de bisous. Et pardonnez, allez-y dormir. Les amoureux là, je vous ai déjà dit que j'ai pompier déjà. Ne soyez pas amoureux. Ne soyez pas amoureux. Oh. La guêpe n'est plus un cœur à prendre. Voilà. Elle n'est plus un cœur à prendre. Je suis comblée. Yeah. Merci à tous, merci à mon élément. Je te claque des bisous depuis ta position. Merci pour le soutien. Merci à mon élément, merci pour le soutien inconditionnel. Merci pour tout. Je te claque des bisous depuis ta position. Peace and love. On va repartir avec mon boy. La convivialité, on fait pas la tête d'eau. C'est tout pas. Chacun a ses défauts, ses qualités, c'est ça qui fait mon boyo. Eric Leblé, de son Côte d'Ivoire, Renato Villa, Mario Pedio, Kiki Prestigio, Kouba Boukabou, Finia Diabio, Officier Taï, Sergent Douanier. Petit pompier est au front, on dirait. Yeah, il est au front, hein. Je vous adore. J'adore Chahuté, hein. Les Camerounais, je vous adore aussi. Merci, Potesse. On s'en fout des jaloux, hein? On s'en fout des jaloux, sautez calé en l'air. Ah, on s'en fout. C'est sympa.
bois de manioc, Serge Théi, Abou Kébré, Brice Duca, Mori Domandé, Bitu Domandé, Vecchio Le Long, Serge Adam. Zanjou dit, fais voir ta robe. Oui, c'est une robe. Voilà, elle est volante. Et aujourd'hui, la vos hôtes. Je suis à vos ordres. Sont tous à Bido, Fredo Lambida, Fabio Piccolio, Maxime Zepi, Adonis Saka. Je vous adore. Yamsoko, je vous adore. Cheikh Diarra, le génie noir de la forêt noire aux idées très très claires. À quoi pense un homme quand il ne pense pas? Que je voulais vous faire découvrir, mais je pense que ça sera une prochaine fois. J'aime bien ce morceau. Je vais voir si je peux retrouver et on va se dire au revoir. Ah, grâce, ma perruque là, elle coûte très cher. Donc, faut laisser, je vais porter un peu encore. Voilà. C'est quelle perruque on paye cher comme ça et puis on ne va pas porter. J'ai porté tous les jours. Laisse ma perruque en paix. Spécial dédicace à toi, mon cœur. Mon Gboyi. On dit si tu dors pas la game, je dors pas. C'est pas un débat. Elle chante très bien, très belle voix.
Et dis merci, dis tu me plais beaucoup, merci. Ah, les Sénégalais, ça, quand on danse, ça, vous connaissez, hein? Tu sais Gambia. 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 Ningata. Dunia konu ningbangora diamba tola. Gambia. Allez-y dormir, ça suffit. Voilà. Donc, excellente. Passez une bonne nuit sous la protection divine et puis peace and love. On va toujours sans crainte et sans peur et on part toujours sereinement. Je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à tous. Peace and love.